De grands blocs se forment un peu partout dans le monde. Qu'attendons-nous, fils d'Afrique, pour créer un État unifié fort? Deuxième minute du combat, son corps acquise la fatigue. Aussitôt l'arbitre arrêta le combat par chaos technique. Champion Menzambi, seul contre tous. Jean de Dieu et Bonzo. Mbonge, 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 mbonge. Mbonge, sibisa, masua. Mbonge, sibisa, papato. Mbonge, limwi, sape, ado. JPS Production, l'arbre des artistes. Et l'os a médi, je m'appelle la congolaise. Polino. La cause la parena. Polino. La cause la le pene. La mande. Isanguidalo commanda Henri, Isanguidalo jerenga yeye. Lelo toko bina nangandalo la bar. Loti chamu kuma sheji fide loa. Bana mundele ngulu bana mumbele. Wo lenga chenyar koseda. Jambula richepe. Jacques Mongo benga Javini, Octavine na Bea Christian Zambise ko banza yo. Moto alona kanguba ko mabuka masango. Eloko za pepe Fredo ke ko benga yango noirete. Sentime boni la jete, on voit magistère Adis. Etablissez ma mana inga, merera de gicle. Mobiluan makayama. Mbonge. General Yunge Hydro Clash Amimi wo Mika uka sawu Siki mena mirena Omi Fora Patikanya Milolo Migudila Abdona Yalema Mama Jacques Kassi Migudila Ivandi Sanema Mama la Sabi Jandam Wenda Uga Gwena na Komana Nga Isa Zepa Sylvie Anjan Zami Choke Marodo Yenga na Komana Alo kingo kayo yo 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 Mawe Sonya mo Soli kombo Iya kato zala zala Kelo la dam sampoye Kabe atembo kumbu yambe la sami matobo Sede nga bolingo vienda pe mobali alibinza Jise kanaida Ete kala moriale Na landi metode Gijo na se chiba aliete o Kasiano Wilibo namba Lina como tu mamá.
Tindika, mama kabo. Oya munene tato. Tindika, mama kabo. Ibumu manene na bomba moke. Tindika, mama kabo. Costa, David Nord, comment ça va les filles? Super, ça va, moi et toi? Quel plaisir de vous avoir à la maison. Le Juice n'a pas pu être là, coucou, le Juice. Bisous à toi, on t'embrasse, voilà. Qui fait aussi partie du projet. Comment ça va? On est trop contentes d'être bien, là. On est contentes, ouais. Tellement. On est contentes, ça fait plaisir d'être là. Quand Guillaume Janton vous a appelé et Stéphane de Freitas, pour vous dire, ok, on fait un documentaire sur les femmes, parcours, etc. Puis il y a une résidence, puis vous allez devoir vous retrouver toutes dans une maison pour faire, pour composer un titre en un temps record. Quelle a été votre première réaction? Je pense que... Vas-y. J'étais réticente. Je ne voulais pas. Je me suis dit, non, je fais mon truc toute seule. Mais je suis grave contente d'avoir rencontré des filles superbes. On a la même vocation. Et le même rêve, le même objectif, le même amour pour la musique, et on va aller loin. Je pense que quand on a toutes reçu la proposition de Guillaume Janton, on a toutes été forcément surprises, on s'est toutes posé plein de questions, on a eu des doutes, mais je pense que ce qui nous a réunis, finalement, ça a été l'objectif de se dire, ok, on va se pousser dans nos retranchements, sortir de notre zone de confort. Et en fait, tu vois, ce rassemblement, c'est un peu un espèce de fuck céleste, tu vois, où juste on est là, on se dit, ok, on n'a rien à voir les unes les autres, et en retour, au final, on arrive à faire de la magie, à faire quelque chose, tu vois, et même le Juice, on sait que c'était son positionnement aussi. Il y a eu un peu de réticence au début.
Et puis finalement, on est tout arrivé dans une maison, ça a pris quelques minutes avant de s'apprivoiser. Exactement. Et puis jusqu'au moment où en fait les langues se sont déliées et puis qu'on a réussi à créer des liens et qui sont finalement très forts, tu vois. Donc ça, c'est... Elle parle bien, Sheila, je l'aime trop. Bianca, comment t'as vécu, oui, toi, ce coup de téléphone? Bah, moi, franchement, je l'ai très bien vécu, en vrai. Je pense que directement, je l'ai pris comme une opportunité pour rencontrer des gens, déjà. Je ne les connaissais pas toutes, mais je sais qu'avec Tila, en plus, on s'était un peu suivis sur les réseaux. Donc, pour moi, c'était vraiment une opportunité de me faire des contacts, de voir un peu comment d'autres filles bossent. Je ne sais pas pour vous, tu vois, mais moi, en studio, je suis tout le temps avec des mecs. Ouais, pareil. Enfin, je bosse beaucoup avec des producteurs hommes, tu vois. Et c'est vrai que là, me retrouver avec que des filles, c'était une superbe expérience. Ouais. Et dès le début, je savais que ça allait être comme ça. Moi, c'est plus qu'une expérience. Ça a eu de l'impact dans ma vie. Moi, j'ai le souvenir parce que j'ai eu la chance de passer quelques jours et quelques instants avec vous dans cette fameuse résidence artistique. Et c'est vrai que quand on est une artiste, on revient toujours sur ces sujets-là, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est plus dur pour une femme. Ouais. Ok, machin. Quelle est votre vision de tout ça? Moi, je ne suis pas là pour me la lamenter. Pour m'apitoyer sur mon sort. Carrément, la gueule a dit la lamenter. J'en perds mon latin tellement c'est poignant. Tellement c'est poignant, mais je ne suis pas là pour m'apitoyer, pour pleurer, pour... Non, il faut que je sois forte. Il faut que je me batte. Il faut que je me donne les moyens de réussir. Et ce n'est pas une barrière pour moi. C'est un challenge. Je vais prendre le cas du rap. Il y a un terme qui revient, c'est le rap féminin. Pour moi, le rap féminin, ça n'existe pas. C'est juste du rap. Ouais, exactement. C'est juste du rap. On fait tous de la musique, en fait. Et à partir de là, Amen. Tu vois, c'est quand les gens comprendront ça, on aura fait un step de plus. Mais c'est important. Et je pense que tout à notre niveau, on en est consciente. On est consciente qu'on a peut-être moins de visibilité. C'est même pas peut-être qu'on a moins de visibilité, est moins mis en avant, mais qu'on nous en demande plus que les gars. Mais on n'est pas aussi là pour on va pas se plaindre. Nous, on vient, on fait de la musique, on fait ce qu'on a à faire et puis c'est tout, tu vois. C'est la musique qui parle au final. Nous ramener toujours au fait qu'on est une femme, en fait, c'est s'éloigner du sujet. Et le sujet, c'est qu'en fait, on est des artistes talentueuses et en fait, on le prouve chaque jour avec la carrière qu'on essaye de défendre, tu vois. Bien sûr. À travers des concerts, à travers des morceaux. Et en fait, ça, c'est trop bien qu'on ait passé ce cap de se dire, en fait, tout ensemble, c'est pas juste des femmes qui se réunissent, tu vois. Parce que moi, c'est ce dont j'avais peur. C'était me dire, ah, encore on fait un plateau de femmes, tu vois. Mmh. Parce que moi, c'est ce dont j'ai eu l'habitude dans ma carrière. Bien sûr. Qu'en fait, on m'appelle parce que je suis une femme. On me fait parler parce que je suis une femme. On m'envoie sur des plateaux où il y a des femmes ou à des conférences de femmes, tu vois. Et là, j'étais vraiment dans un truc de... J'ai besoin de m'éloigner de ça au bout d'un moment parce qu'en fait, le sujet n'est plus au centre. Enfin, le sujet essentiel qui est la musique. Et là, ce qui était cool, c'est qu'on aurait réunissait pour et par la musique, tu vois. Mmh. Et c'est ça, en fait, c'est des artistes talentueuses juste qu'on kiffait ensemble. Cette émission, bah, voilà, elle s'est faite avec vous quatre, mais c'était impossible pour moi de ne pas faire participer d'une façon ou d'une autre. Bah, évidemment. Notre bébé dame, le juice. Évidemment. Le bon juice. Oui. Et puis moi, j'ai une question, j'aimerais savoir, chacune répondez à votre tour. Qui est votre préférée dans notre groupe, même si on s'aime toutes, avec qui vous avez eu le plus d'affinité pendant cette aventure. Et voilà, je souhaite le meilleur pour vos carrières respectives. Je vous aime. Juste, c'est une galère. C'est une galère. J'ai eu la question, j'ai eu la main. Surtout que, tu sais, ouais, elle pose la question, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça s'appelle une question bourbier. Qu'est-ce que vous répondez à Juice? Vous deux, on a Franchement, moi, j'aime tout le monde. Mais mon coup de cœur, mon bébé d'amour, ma coqueluche, mon crush, la femme de ma vie, pour qui je peux me tirer une balle et me planter en plein cœur. J'aime trop. Quel déclat? C'est mon cœur. Vous avez fait ok, pas les filles. T'es sûre? Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. On n'est pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Nous, on sait avec Vicky qu'on a un binôme préconçu. On s'est retrouvés sur plein de projets et tout, tu vois. C'est chill. Mais nous, on est là. Mais parce que nous, on est longtemps en plus, toi. Mais chill, nous, on va faire une collab bientôt. Mais tu sais, j'aime bien. J'ai passé du temps avec Juice. Mais en fait, moi, tout le monde. Bianca, ton mot de la fin. Quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte que. C'est pas une question de genre qui est la plus forte, c'est juste d'être ensemble
et j'ai tellement appris. Et je pense que c'est ça, tu vois, de s'entourer de personnes qui sont là pour toi, qui t'écoutent, qui t'élèvent. Et voilà, on peut, en vrai, on n'arrive à rien seul. Et je pense que c'est important de bien s'entourer, de, voilà, en tant que... En plus, bah, voilà, c'est le thème, donc en tant que femme dans la musique, tu vois, de faire attention aux autres et de se dire qu'on n'est pas en compétition. Amen. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres projets, tu vois, quand on va pouvoir recollaborer ensemble et briser un peu cette barrière. Et voilà, faites ce qui vous plaît et soyez ensemble. Voilà. Oh, yes. Je t'aime. Merci, merci pour votre présence, merci, les filles. On va se quitter avec le live de Aou. Bebanks. Titre incroyable. Allez regarder le clip, hein, après. Vraiment. Ouais. Et puis surtout, bah, allez regarder le documentaire Reine, qui est extraordinaire. Parce que je suis sûre que vous allez apprendre. Ouais. Big up au Juice, évidemment. Mm. Je vais s'en ensemble. En attendant, rendez-vous aussi sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version intégrale, la version longue de l'émission. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love les filles. Big up, love you. One love, love you too. Yeah. Icy, Juicy, Vicky, Bianca, pas que moi, c'est la folie. Taille à tes deux bouca, t'as pas capté, on va trop vite. Qui dit moi qui nous peut la collaber, ah, t'es solide. On a le flow, l'esthétique, l'attitude, le combo est un. Dis bien le cash. Comme les sous, j'investis. Sur maillot, que des paroles, amor tout mi canso. Desce qui desce qui desce qui vai, vai, vai. Je mets le Brésil en couleur sur la carte. Je vais mettre moi l'autre débarca. D'ici l'eau qui a l'été baro. Naïbisa qui binobo bimate pour m'voule kobeta. Comment n'y 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 n'y
Alias Madcap, ton nom d'artiste, Lina, Delo, comment ça va l'équipe? Ça va très bien. Ça va, et toi, comment ça va?
Ça va bien, moi je suis en joie de vous voir, de voir un aussi beau casting, d'aussi belles personnes, tant sur la forme que le fond. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Juliette. Rapidement, que représente cette journée pour vous, cette journée internationale, mondiale des droits des femmes? Bah, un peu comme ce que tu disais, hein. C'est-à-dire que c'est quand même très grave en 2023 qu'on soit en train En 2024, surtout. En 2024, pardon, qu'on soit obligé d'y consacrer une journée. Et en même temps, ça dit aussi qu'il ne faut pas baisser la garde parce que justement, les problèmes et les sujets sont multiples. Et par rapport à ce que tu disais aussi sur à nos côtés, donc les hommes... Bien sûr. Bah, il faut qu'ils s'y mettent vraiment parce qu'il y a beaucoup d'urgences et beaucoup de sujets. Donc, il va falloir travailler là un peu. C'est un sujet en plus qui te. C'est pas qui te tient à cœur, c'est juste en plus l'un des vrais sujets que tu développes. Mais on en parlera tout à l'heure, Lina. Ça t'évoque quoi cette journée? Bah, je rejoins ce que vous avez dit toutes les deux. Et c'est même dommage qu'on. qu'on se restreigne à ça, tu vois, de se restreindre à cette journée-là, de, tu vois, mais en même temps, on est entendu ce jour-là, tu vois ce que je veux dire, alors que normalement, ça devrait être toute l'année, en vrai. Bien sûr. Yelim. Déjà, moi, je suis déjà contente d'avoir ce genre de journée, quand même, parce que on n'est pas limité à cette journée, en gros, mais je pense qu'en fait, on rappelle de ce qu'on doit faire tous les jours par rapport à tous nos droits et tout. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mine de rien, dans le secret. Les hommes commencent à combattre avec nous. Ils nous aident, en fait, avec nos droits. Donc, voilà, c'est la journée et c'est la suite de tout ce qu'on fait chaque jour. Exact. Pour moi. Madcap. Pour moi, c'est une journée essentielle. Moi, je suis un homme, mais je pense clairement que c'est un combat qu'on doit mener ensemble. Et c'est quelque chose qui est collectif et qui n'est absolument pas individuel. C'est beau quand même de pouvoir aujourd'hui être là et pouvoir en parler. D'ailleurs, merci de nous laisser aussi cette liberté parce que je pense qu'il y a tout le monde ne le fait pas. Donc merci Juliette, c'est merci, un plaisir. Merci Jean-Denis Urbaine, vraiment. C'est un plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est important et c'est une lutte pour l'égalité simplement en fait. Et c'est vrai que on parle souvent de féminisme. Tu es féministe, mais en fait, ça veut dire quoi en fait? Quand t'es féministe, c'est simplement pour la justice, c'est simplement pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Bref, c'est pas moi qui vais raconter ma life aujourd'hui. Hein, c'est pas ça l'idée. Et on va commencer d'ailleurs par toi, Madame Dolores Bacchella. Tu es journaliste, à la fois politique, à la fois culture. Tu travailles et tu écris pour bon nombre de médias, notamment Libération, Mediapart, Télérama, Le Média, Cosette, alors à des époques différentes, ou parfois différents médias en même temps. Je dis souvent que Dolores est la seule personne que je connaisse, en tout cas l'une des rares journalistes, qui soit à la fois capable d'interviewer Joe Biden et Gazo. Voilà, sans avoir l'air d'une imbécile. Et ça, c'est quand même une prouesse. Ouais. On n'est pas sur les mêmes rintés. Voilà. Pas complètement, encore que. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des similitudes, finalement. Entre c'est les vrai. Politiques et les rappeurs et la culture, ouais. Parfois. C'est vrai. Et donc, toi, aujourd'hui, Delo, tu as choisi le titre de Jade, tranquille. Donc, je te laisse faire la présentation et nous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi je présente Jade? Parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup. C'est une artiste que je trouve très actuelle dans son son, qui est, on va dire, plutôt du R&B, mais qui a la croisée aussi de plein d'autres genres. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, justement, c'est cette voix, vous allez l'entendre, qui a l'air comme ça, un peu haut perché, un peu fragile, mais qui en même temps affirme vraiment une identité de femme comme on aimerait pouvoir l'assumer, c'est-à-dire très girly, très mimes, et en même temps avec une puissance, parce que là, le projet dont on parle, le single dont on parle, va arriver sur un projet, elle assure l'ADA. J'aime beaucoup l'esthétique qu'elle ramène, un peu entre le kawaii, en même temps un peu le romantisme un peu anglais, et en même temps elle dit en fait les gens justement me demandent si je fais du rap ou si je fais de la chanson, etc. Donc en fait elle explose un peu, je trouve, les codes et je trouve ça très fort. J'espère que voilà, ce que pour moi elle incarne, c'est la liberté, c'est-à-dire ne mettez pas les gens dans des cases, laissez-les s'autodéterminer, et je pense que c'est quand même
particulièrement ce à quoi les femmes ont encore à se colter. Elle est un peu sexy et en même temps, elle peut être en pantalon et en petit haut et être tout aussi sexy. Enfin, je trouve que voilà, elle décloisonne beaucoup de choses et on en a besoin, notamment dans une industrie musicale, mais je ne veux pas parler pour les personnes qui sont plus concernées. Bah, tu la connais bien, l'industrie musicale. En tout cas, de ce que j'observe, c'est, je trouve difficile de faire son chemin de manière libre. Et quand on y arrive et qu'en plus on rencontre son public qui est réceptif à ça, je trouve que c'est hyper bien et moi ça m'émeut voilà, toujours. Donc ouais. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais. Et c'est vrai que dans ce titre Tranquille qu'on va écouter ou qu'on va visionner, ça dépend sur quel support vous nous suivez, sur RFI ou France 24, effectivement, elle dit mais arrêtez de me dire et d'être paternaliste ou me dire ce qu'il faut que je fasse ou dans quel... comment je dois m'habiller ou comment je dois être. Moi, j'ai juste envie d'être moi. Et c'est vrai que c'est extrêmement bien tourné. C'est Jade avec le titre Tranquille. Octave et Pyjama, Papa Nadjak, un secrétaire qui fonctionne très bien. Allez, Bakanga pose la forme dans la Fabrice et Fabolo de Fab, Sidjo Photolux. Chilabo, no, 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 no,
Barcelone à Toronto. Alors, ce titre et puis ce flow et cette dégaine, c'est incroyable. Moi, j'adore, je suis fan. Lina, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trouvé ça super cool. Elle a beaucoup de prestance. Et puis, ce qui est cool, moi, ce que j'apprécie énormément chez les artistes, c'est quand ils amènent une thématique, ils évoquent un sujet qui est actuel en chanson. Donc, pour étendre le message, ça, je trouve ça vraiment cool. Toi qui es chanteuse, justement, qui est sublime. Merci. C'est quand même une. Vraiment. Et merci, pas un peu. Hein. Merci. Mais t'as dû, parfois, même si t'as une super équipe, et je fais un gros big up à mon frère Moussa, Tito Star. T'as dû forcément te retrouver confronté à des gens qui disaient, mais Lina, il faut que tu t'habilles comme ça, que tu te maquilles comme ça, que tu fasses comme ça. Ouais. Avec des gens qui ont voulu te manipuler, en fait, brider, et t'instrumentaliser. De ouf, carrément. Ça, c'était dans mes débuts, carrément. Dans mes débuts, surtout au niveau de ma DA artistique, donc dans mes choix de musique. Donc, il fallait que j'adopte un certain style pour me faire accepter aller dans les provinces. Parce que moi, je suis d'origine algérienne, je suis franco-algérienne, tu vois. Et que, voilà, si tu chantais un peu plus avec des compos un peu plus, plus pop, tu auras plus de facilité à gagner en visibilité, tout ça. Et chose que, en fait, qui m'a complètement perdue, parce que moi, naïve que j'étais, moi, je suis restée moi-même parce que je ne savais pas faire autrement, en soi. Mais j'écoutais, on va dire, les personnes que je voyais qui, pour moi, me faisaient comprendre que je n'étais pas encore professionnelle. Je viens d'arriver. Donc, tu as vu, c'est préférable pour toi de nous écouter parce que sinon, tu vas foncer dans le mur. Et au final, en les écoutant, c'est comme ça que j'ai foncé dans un mur. Mais bon, après... Aujourd'hui, la résilience. Ouais, la résilience. Je suis contente d'avoir mangé ces murs-là, tu vois, pour prendre conscience des choses et que voilà, il faut d'abord pour se faire accepter. D'ailleurs, faut s'accepter soi-même et faut s'imposer en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'a fait clairement Jade dans ce clip et à travers ses paroles, tu vois. Et même dans les tenues vestimentaires ou dans son flow, c'est vrai que il t'est déjà arrivé qu'on impose un style vestimentaire, un truc que tu voulais pas en fait. Moi je suis arrivée en survêt dans le game, tu vois. Je suis arrivée avec un survêt Nike Tech, tu vois. Gang. Tu vois, archi gang. Et pour le coup, moi j'étais très. J'étais un garçon manqué, tu vois. Bon, avec l'âge, après, voilà, je me suis découverte une autre passion, tu vois, dans la mode et tout, tu vois. Et pour le coup, on me disait, ouais, mais tu peux pas rester tout le temps en survêt, niveau de l'image, ça le fait pas, tu vois, faut que tu sois attirante, faut que tu plaises, faut que les gens aient envie de te regarder et tout. Je dis, mais en fait, moi, je fais de la musique, les gars, c'est pas mon corps, en fait, que je vends, tu vois ce que je veux dire, c'est ma musique, tu vois. Et pour le coup, ça n'a pas trop bougé, à part quand j'ai voulu le faire de moi-même, tu vois, me féminiser, tu vois, pour être... comment dirais-je, genre en mode pour qu'on puisse me regarder à l'image, tu vois. Et mais je l'ai fait de moi-même et encore aujourd'hui, tu vois, je suis encore en survêt parce que je suis à l'aise dans ça et en fait, tout simplement, faut s'imposer. Et avoir confiance en soi. Exactement, tout part de là. C'est juste que tu disais, faut savoir s'aimer aussi, en fait. Ouais, quand même. Il aime. Qu'est-ce que tu penses? Je viens de découvrir. Et je suis vraiment, vraiment contente parce que je me dis qu'il y a des personnes qui arrivent en fait à partager certaines énergies en chantant. Là, elle a des punchs qui ne ressemblent pas à sa voix. Normalement, ce genre de punch-là, c'est dans le rap hardcore. Et en fait, elle a des trucs, c'est particulier. Et, voilà. Elle s'assume et c'est quelque chose de remarquable. Est-ce que toi, dans ta carrière justement de chanteuse en Côte d'Ivoire, tu as rencontré justement parfois des barrières et où on a essayé de t'imposer un style vestimentaire ou des codes qui n'étaient pas forcément les tiens par rapport aux cheveux, parce que moi déjà j'aime beaucoup les tresses et je n'aime pas les perruques. Je me dis que c'est pas moi, mais au début on m'a dit que mais tu ne portes pas de perruque, si tu portes pas de perruque ça te rend pas trop féminine, et les filles ont l'habitude des cheveux longs bien lissés, bien coiffés, et toi tu vas venir avec des tresses toujours, tu vois. Arrivé un moment ça me stressait parce que je me disais que est-ce que et après je me suis dit bon, je viens d'une famille qui est vraiment dans l'art traditionnel, on a l'habitude de nos tresses, de nos trucs, de nos bijoux, et je vais pas venir m'imposer en fait quelque chose que je n'aime pas. Déjà c'était beaucoup par rapport aux coiffures.
Yes. Mais c'est marrant, toujours cette chose qu'on met beaucoup, je trouve, sur les artistes femmes, justement, ouais. cette question de la féminité. On ouais. se rend compte que c'est quand même quelque ouais. chose qui n'est pas pareil pour toutes, en fait. Ouais. Et qu'on a le droit de se l'approprier comme on veut. Exactement. Et c'est quand même dingue d'entendre que ce soit pour les cheveux, que ce soit ce que tu dis pour l'aspect vestimentaire, etc. Alors que je pense qu'en plus, le public, lui, est capable parfaitement de se rendre compte de bien ce que sûr. Tu fais, de ce que tu proposes. Bien sûr. Que... surtout que tu parles à différentes personnes et qui peuvent tout autant s'identifier, tu vois, à leur façon, tu vois. C'est ça. Madcap. Mais je trouve ça super. J'aime beaucoup son grain de voix. Je trouve qu'il se démarque et même dans sa présence, elle dégage un certain charisme et ça se ressent en fait à travers l'image. C'est génial. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, c'est fou quand même que justement une femme soit souvent ramenée à son corps, ramenée à son apparence. Ouais. Dans le rap aussi, voilà. C'est quand même assez incroyable. Alors, Dans tout, en fait, dans une société. Je pense dans tous les univers professionnels. On peut être dans la rue, sur une publicité. Souvent, il y a cette hypersexualisation du corps féminin. Une femme est souvent ramenée à ça et c'est très triste. Parce que, comme tu l'as dit, Lina, c'est clairement pas ça, c'est de l'artistique avant tout. Et surtout quand il y a une belle musique à porter, comme vous faites. C'est quand même vraiment important de mettre le point sur l'artistique et au-delà de l'apparence, en fait. Bien sûr. Je vais mettre un petit bémol là-dedans. C'est vrai qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est vrai que tout le monde aime voir de jolies personnes, etc. Oui, bien sûr. Après, on n'est pas obligé de les mettre dans des cases. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des hommes. Mais les femmes sont aussi comme ça. Et les femmes se jugent aussi beaucoup entre elles sur leur contouring, sur leur façon de se saper, etc. Parfois, les femmes sont plus dures, même sur le physique, avec les autres femmes. Par rapport à mes cheveux, ils me disent, mais tu n'as pas l'argent pour payer des perruques ou quoi? Tu n'as pas. Mais ce sont des femmes qui font ce genre de commentaires. Et la plupart du temps, même des fois, les hommes, même, ils essaient de dire qu'elle essaie de s'assumer comme elle est. Elle n'essaie pas de mais tu es très, très bien. Enfin, je veux pas savoir le truc, tu vois. Donc après, les femmes aussi, vraiment la journée de la femme. Parce que mais c'est aussi parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a aussi malheureusement toutes et tous intégré, en fait. C'est pour ça que, enfin, je pense que même la question du féminisme, qui est un peu aussi une de mes marottes, c'est que, en fait, on est aussi dans des sociétés. Tu vois, quand on parle par exemple des cheveux, on va beaucoup dire, bah, t'es jeune, t'as les cheveux longs, et quand t'es plus vieille, il faut que tu portes les cheveux courts. Pourquoi? Parce qu'en fait, la féminité, c'est les cheveux longs, c'est l'opulence, c'est les cheveux qui sentent bon, etc. Et puis en plus, quand on est noire, africaine, c'est aussi des marques de quelque chose, de si t'es soignée ou pas soignée, etc. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas nous-mêmes intégré les codes du patriarcat qui veut que, eh bien, on soit ce qu'ils appellent féminine. Ça ne veut rien dire et ça veut dire plein de choses. Donc, je pense qu'on est malheureusement, c'est pas une affaire de genre justement, mais c'est une affaire de personnes et de ce que la société nous fait intégrer aussi, quoi. Bien sûr, c'est à dire que ça doit être un combat collectif. Justement. Oui, mais en fait, après, la question, c'est de savoir qui est-ce qui se bat de plus souvent. C'est pour ça que je trouve aussi que Jade a beaucoup de courage et que vous avez du courage de faire des carrières. Tu vois, quand tu parles de résilience, on se dit qu'en fait, en 8 ans de carrière, c'est ça, tu as eu plein de chemins et notamment des barrières et des murs que tu devais casser, qu'on t'a mis devant toi. Et en fait, quand même, je trouve que c'est courageux de revenir et de se dire, bah non, en fait, moi, je suis qui je suis et personne, et je veux faire quelque chose, je vais le faire. Et c'est ce qu'elle dit un peu aussi, Jade. C'est que, et encore plus parce que justement, elle, pour le coup, elle incarne un certain idéal féminin. Elle est plutôt cute, elle est un peu plutôt taille mannequin, donc elle est dans les codes esthétiques et les normes de beauté du genre féminin. De la laisser tranquille. Tu vois, et ce qu'elle dit justement, et en fait, c'est pour tout le monde dire en fait que tout le monde a la possibilité et la chance de pouvoir être qui elle veut être, en fait. Bien sûr. Mais il y a aussi effectivement des personnes qui n'ont pas encore intégré ça, et en fait, c'est plutôt triste. Et c'est grâce aux artistes, je pense, que la voie sera ouverte aussi et poseront autre chose. Et j'en viens à toi, Yilim, qui a un bébé. Bébé du village qui arrive. Donc toi, tu es de la Côte d'Ivoire. Le village qui est assez incroyable. Je crois que c'est l'un des rares lieux au monde qui existe, en fait, comme ça, qui est un village qui a été monté par Ouéré, qui est qu'on appelle la reine mère, et qui est un village d'artistes.
Et où tout le monde cohabite, mais travaille ensemble, des musiciens. Donc de là, du village qui sortent quand même des musiciens qui ont des renommées mondiales, qui ont fait des tournées partout sur cette planète, des grands chorégraphes, des danseurs, des musiciens. Enfin, vraiment, il y a de tout. Voilà, des contes, des narrateurs, avec aussi un côté très spirituel où quand on grandit au village qui, on t'apprend à faire des méditations, on t'apprend à percevoir le monde, etc. etc. Et donc, c'est un bébé du village. Qui explique qu'en fait son ADN, c'est une enfant d'artiste aussi, donc son ADN c'est vraiment la musique. Elle a d'abord été danseuse, puis tu as eu ton groupe Nafasi. Voilà. T'as ton gros banger si tu veux partir d'ailleurs. Tu changes 10 fois de coupe de cheveux d'ailleurs dans le clip, c'est pas mal, mais on adore. Mais la même couleur. On adore, c'est vrai. Gros gros banger. T'as plein de singles qui ont été envoyés. Tu prépares un EP et puis accessoirement, t'es quand même la petite sœur de Didi B. Ouais. Mais je le dis en dernier parce qu'en fait, je veux pas que les gens t'enlèvent ta légitimité. Et tu vois, on y vient toujours, la sœur de ou la femme de ou la cousine de. Tu es une artiste à part entière. Ouais. C'est chouette d'avoir un artiste aussi talentueux pour frère. Ouais. Mais tu n'as pas démérité aujourd'hui. Tu nous proposes une artiste qu'on aime beaucoup ici, Jessie B, avec le titre Percé. Ouais. Je te laisse. J'ai bien aimé déjà le titre parce que Percé, c'est. Quand j'ai écouté, c'était un truc où j'ai aimé la force, j'ai aimé la manière de véhiculer en fait le message. Elle a véhiculé un message où elle a voulu en fait dire ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait dans la musique, imposer en fait ce qu'elle voulait. Et il faudrait rappeler que c'est le prix découverte RFI. Donc, il y a beaucoup A-Punch. C'est le prix découverte RFI 2023. Ouais. Voilà. A-Punch et Kick. Et moi, je ne suis pas vraiment rap, mais quand je vois une femme en train de... C'est quelque chose, en fait, de spécial. Tu te dis que, est-ce que je ne vais pas m'essayer vers là-bas quand même? Et puis, c'est un shout-out. Ça t'inspire. Oui, ouais. Ça t'inspire parce que tu te dis que tu peux aussi, en fait. Et je vais faire un shout-out à ma sœur de l'Afrique parce que être une artiste africaine, pouvoir être à Légende Urbaine, il faut pouvoir faire un clin d'œil à toutes mes compatriotes, à toutes mes collègues artistes de Côte d'Ivoire, de l'Afrique et tout. Donc, Jessie B, écoutons et puis on essaie de... Quand la Côte d'Ivoire envoie un gros shout-out au Congo. Au Congo. Sans abri, ni espoir ni chance à cause à la peine et naïe. Yoka
Prix découverte 2023. Ouais. Et longue vie à elle parce qu'elle est juste incroyable. Alors, Madcap,
Même le clip et tout, c'est sale, franchement, c'est très lourd. C'est et justement, c'est super intéressant parce que ça contraste avec Jade. Et c'est génial d'avoir justement différents horizons. Mm-hmm. Différents horizons. Donc, non, franchement, merci pour cette belle découverte. C'est génial. C'est génial. C'est super. C'est aussi un bel endroit pour découvrir. Pour découvrir de nouveaux artistes et des nouvelles artistes, ouais. c'est incroyable, franchement. Et même dans le clip, il y a quelque chose qui dénonce aussi. Bien enfin, sûr. On voit même à certains plans où la main se transforme en gun et tout. C'est vraiment non, il y a une vraie image qui est super intéressante. Elle est très très forte. Ça m'a envie d'aller découvrir aussi plus de son œuvre parce que. Elle va, à mon avis, une grosse tête. Grosse tête. Ouais. Lina. Ouais, j'ai pris une baffe. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Moi, surtout quand je vois des femmes dans le game qui se lancent, franchement, moi, je suis trop contente. Et elle a un talent de fou furieux. Et comme l'a dit Matt, ça pousse à aller voir ce qu'elle fait derrière. Travail, hein. Ça, c'est sûr. Ah non, c'est très, très chaud. Congo représente. Beaucoup de prestance aussi. Hein. Ouais, elle est charismatique. Oh là là, ouais. Et là, Dolores Bacchella est en mode Brazzaville. Ouais, voilà. Mais c'est une fierté, genre, moi, je la comprends. Ça rappe en Afrique, ça rappe au Congo. Ça nous a donné beaucoup. Non, je rigole, mais. Non, mais ouais, vraiment, ça rappe et tout. Elle est super forte. Et pareil, c'est encore un autre type de profil. On a besoin, il faut beaucoup de diversité. Il faut beaucoup de diversité. Ah, c'est ça. C'est hyper important. Et c'est vraiment, alors une femme qui rappe déjà en France, c'est compliqué. Sur le continent, c'est encore une autre histoire. Ouais. Et elle arrive hyper naturelle, voire très gang d'ailleurs. Elle brise tous les codes parce que c'est vrai que les rappeuses auxquelles on pense à Cardi B, on pense à Nicki. Mmh. Et même si elles sont gang aussi, pour le coup, on est quand même dans le déguisement là. Pour le coup, c'est chouette, j'adore, mais on est vraiment dans les ongles, les trucs. Et là, Jessie B est hyper naturelle et c'est vrai que c'était important. Parce que l'Afrique, on parle souvent des artistes africains masculins. Ou des grandes chanteuses. Mais finalement, comment t'expliques que les artistes urbaines, dont tu fais partie, parce que tu fais de l'urbain quand même aujourd'hui, tu vois, c'est de la pop urbaine que tu fais. Comment t'expliques que c'est plus difficile pour les femmes? Bah, moi je me dis que c'est pas difficile. On est dans l'acceptation. Parce qu'en gros, il faut travailler, il faut se dire que tu dois travailler doublement. Parce que quand tu es femme, on est beaucoup jugé sur tout ce qui est... Tu vas te marier, tu vas avoir tes enfants. Et nous aussi, on n'aide pas vraiment les producteurs. C'est-à-dire que quand on a une petite carrière, après, on se dit qu'on doit se poser avec tout et qu'on n'a plus le temps de travailler. Il faut faire ce brassage-là déjà. Et puis, il faut essayer de doubler les efforts. Parce que pour qu'on t'entende, il faut beaucoup travailler. Il faut sortir de la victimisation, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est quand même fou parce que... Ça me rappelle quand Aya Nakamura disait qu'elle avait dû cacher le fait quand elle avait signé qu'elle était enceinte. Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup des stigmates. Et je trouve ça plutôt sain, moi, de se dire qu'on a envie quand même de privilégier, de continuer de privilégier sa vie de femme et qu'on ne peut pas tout donner à sa carrière. Enfin, on donne tout, mais tu vois, tu parles quand même d'un certain coup. C'est que en tant que femme... Tout le brassage. Voilà, il faut brasser. Parce que nous, on a l'habitude de stopper tout et faire la vie de femme de couple. Oui, mais est-ce et après, on revient. Non, on peut faire le brassage. Mais est-ce qu'il y a des possibilités parce de que même faire. Dans l'industrie en France, ça peut être compliqué de tout allier. Il faut aussi qu'on permette aussi aux femmes de se dire, parce que globalement, le monde du travail n'est pas forcément facile pour les femmes qui, justement, ont une vie de famille. Bien sûr. Et donc, sûr. Du coup, il faut aussi permettre ça, je trouve. Mais parce que, tu vois, tu dis, on doit travailler double. Pourquoi? Parce que c'est le coût du genre. Parce qu'on est des femmes, c'est le coup du genre. Ça on devrait pouvoir aussi... C'est vrai que ça en fait partie, en fait. On va passer le chapitre sur les salaires inégaux, parce que là, franchement, celle-là, elle est merveilleuse. Mais bon, voilà, ça, c'est à voir avec les DRH. Beaucoup de DRH. Mais c'est vrai que c'est fou. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es une femme, tu procrées, tu fais des enfants, tu donnes naissance à des enfants. Et donc, du coup, tu dois te battre 10 fois plus. Et on en est encore, alors de moins en moins. Il y a plein d'hommes aussi qui disent, moi, je pose un congé parental et c'est moi qui vais garder l'enfant, bébé, etc. Certains te diront que ça n'est pas naturel et qu'en fait, tu dois allaiter ton enfant et qu'une femme doit garder son enfant. Mais ça, on peut l'entendre. Mais jusqu'à quand? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as des femmes
femmes qui se font parce qu'elles sont enceintes. Tu parlais d'Aya tout à l'heure qui avait dû cacher ça, mais dans des travails, parfois, il m'est arrivé d'entendre des histoires d'entretien où tu as des femmes qui passent un entretien et on leur demande si elles comptent avoir des enfants parce que si elles disent oui, elles ne sont pas embauchées. Alors que c'est illégal en plus, pour le coup. Ouais, mais c'est une pratique récurrente. Bien sûr. Au lieu d'être justement dans l'accompagnement, tu vois. Je vois d'accompagner justement, c'est pas une maladie, enfin de. c'est ce que je veux dire, on donne que... la vie, c'est quelque chose de merveilleux. Donc si tu veux faire un enfant, on te prend plus. C'est ça. Non mais c'est vrai. Alors que c'est justement, t'as besoin de vivre des choses aussi pour raconter d'autres choses en tant qu'artiste. D'où je parle le brassage en fait. Moi je pense que tout doit se faire naturellement. Et mais en ce moment, faudrait pas qu'on se cache. Ce sont des efforts qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas forcément ce qui est en train de s'établir là. C'est beaucoup de travail dans la tête des gens pour qu'ils comprennent qu'on a une vie, on est femme et on doit travailler et ça doit être limpide. Mais après, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que les sociétés elles aillent avec le flow aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent aussi sur cette articulation du travail et de la vie de famille et tout. Ça, c'est des bonnes initiatives, je trouve, parce que en vrai, les femmes qui en veulent, parce que tout le monde ne veut pas non plus d'enfants aussi, mais celles qui en veulent, il faut que ça puisse être facilité. Point. Bien sûr, sinon on n'y arrivera pas. Mais tu vois dans ce que tu disais, ouais, j'entends quand même que on doit encore se battre. Ah ouais. Et en fait, on doit se battre sur tous les pans de notre société. Et j'ajouterais un truc, ça me traverse l'esprit, mais c'est intéressant, parce qu'en plus, Yélim est de Côte d'Ivoire, quoi. C'est notre nouchi, à nous, official, pur et dur. À la fois, je trouve quand même que la Côte d'Ivoire est un exemple en réalité, parce que les femmes sont fortes là-bas, elles ont quand même beaucoup de latitude comparé à pas mal de pays dans le monde. En revanche, il y a un truc qui m'a toujours frappé en Afrique, que ce soit le Maghreb et l'Afrique ou l'Afrique subsaharienne, ou même un peu en Amérique du Sud, mais un peu moins, c'est qu'en fait, moi j'ai 45 ans, je n'ai pas d'enfant. Pour x, y raison, c'est pas le sujet. Ouais. Mais ça interpelle la société. C'est-à-dire que je ne suis pas normale. C'est-à-dire que j'ai un problème, en fait. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrête aussi avec ça. Complètement. En Occident, moins, les gens sont un peu désolés pour toi, alors que toi-même, t'es pas désolé pour toi, et que tout va bien. Mais en Afrique, on a encore sur le continent ce truc de si elle a pas d'enfant, c'est que c'est bizarre. Ouais. Faut dire que, je sais que ça sera fort, mais il y a une semaine, je parlais avec quelqu'un, elle m'a dit, si t'as pas d'enfant, c'est que c'est une malédiction. Et c'est que tu es une demi-femme même. Oui. C'est bizarre. Regardé, j'ai pas compris. Je comprenais pas en fait. Elle a dit si c'est parce que c'est une bénédiction du Seigneur et parce que. Et en fait, en Afrique, c'est beaucoup récurrent. À quel moment on te donne ce stress-là de l'âge? Au fur et à mesure l'âge avance, on te demande à quel moment en fait tu fais ton enfant. Tu n'as pas prévu de faire un enfant? Mais laissez les gens vivre en fait. Parce que ça, je ne pourrais jamais même te dire pourquoi. Mais je me dis que c'est. Être une femme, c'est faire un enfant, se marier. Donc, dans leur tête, ils se disent que être femme, c'est faire un enfant, se marier. Donc, si toi, tu n'arrives pas à dépasser. Déjà, moi, je vais atteindre la trentaine bientôt. Donc, on me demande. Tais-toi avec ton âge, là. Tu crois que tu es un enfant? Non, mais sérieusement. Mais imagine, si avec toi. Je rigole. Imagine. Mais moi, les gens sont désolés pour moi. Oui, on me demande, tu es trop de vieille. À quel moment tu vas faire un enfant? Ouais. À quel moment tu vas faire un enfant? Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est que les femmes, c'est marrant, on parlait tout à l'heure de l'appropriation du corps. L'espace public, en fait, a toujours un regard à dire. Donc, c'est les habits, c'est les cheveux. Et puis maintenant, c'est ce qui se passe avec ton utérus. Mais en fait, la liberté, encore une fois, c'est ce que disait Jade dans son son. Laissez-moi tranquille, ça veut aussi dire laissez-moi vraiment être la personne que je veux être. Et en fait, on a un devoir auprès de la société de rendre des comptes. Et sinon, sur le formulaire de la femme, c'est si on coche pas cette case-là, on n'est pas une femme. Imagine, tu as un mariage africain, tout le monde en train de danser, et puis on te voit, tu n'es pas mariée, mais je n'ai pas d'enfant. Mais quand tu fais ton enfant? Mais à quel moment tu fais ton enfant? Mais tu disais qu'il y a aussi une pression comme ça aussi dans nos sociétés occidentales, mais c'est un peu plus hypocrite.
C'est qu'en fait, sur le mariage et sur, tu vois, c'est un peu l'éternelle blague de le repas de famille, le repas de Noël, et je sais pas, t'étais en couple, tu l'es plus, ou tu veux pas être en couple, ou même tu n'as pas envie, même tout court, d'avoir des relations, quelles qu'elles soient, avec qui que ce soit. Ouais. Et on va te dire, mais quand même, on s'inquiète. Voilà. On s'inquiète. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, c'est un peu dans l'ordre de ce que tu disais. Et en fait, c'est quand même aussi le sujet. C'est que le sujet aussi, encore sur la question des droits, c'est d'avoir le droit aussi, parce que on voit les vocables qu'on dit. Si on n'est pas une femme célibataire ou qui décide d'être seule, on est une vieille fille. On n'est pas... par exemple, au contraire, on a plein de rencontres amoureuses avec des personnes, on est une nymphomane, donc une maladie. Mais par contre, si on est un homme, on est plutôt un belâtre, un Don Juan, plutôt théâtre, Molière. Donc il y a un truc quand même qui montre encore que même dans la manière dont on a de parler et de percevoir ça, on est encore vu comme des anomalies si on sort du rang que la société nous impose. Et moi, je pense qu'ils ont généralisé en fait le bonheur féminin. C'est ça, parce que les gens ont généralisé le bonheur par rapport aux femmes. On se dit que si tu n'as pas ce bonheur-là, c'est que tu n'es pas heureuse. Alors je vais même plus loin, parce qu'après, on va enchaîner sur les autres titres, mais je crois que c'est une histoire aussi, parfois, d'identification. Et que parfois, les gens ont le truc parfait selon les codes de la société, mais qui, en fait, ta liberté à toi les renvoie à leur emprisonnement, en fait. Aussi, oui, et donc, du coup... ils vont te culpabiliser d'un truc en disant ouais. C'est une espèce d'effet miroir. Exactement. Et pour se rassurer de sa condition, on va accuser l'autre en disant que l'autre a pris la mauvaise voie. Oui, parce qu'on peut dire aussi que derrière ce qu'on appelle, c'est comme quand t'as un enfant et qu'on dit c'est que du bonheur, cette espèce de phrase consacrée. Bah non, c'est pas forcément que du bonheur. Parfois tu dors pas, ta vie elle change, c'est difficile. Moi, mes copines là, franchement, ta vie. Parfois même la personne avec qui tu l'as fait n'est plus là, on montre en fait tout ce qu'elle était, c'est-à-dire quelqu'un qui ne t'aide pas et qui sert à rien. Donc voilà, c'est pas forcément que du bonheur. Non, voilà, et en fait il faut qu'on arrête aussi, et t'as raison, c'est sortir de l'hypocrisie. Ouais. Ces choix-là en fait ont un coût, et ils ont un coût qui parfois, parce qu'on veut se conformer à ce que dit la société, on sait pas à quoi s'attendre. Un mariage, c'est pas toujours fun, des beaux parents, c'est pas toujours gaulerie, avoir des enfants, c'est pas toujours marrant non plus, même si c'est une projection de ce qu'on appelle le bonheur. Et comme tu dis, parfois le bonheur c'est aussi de savoir qu'on n'est pas fait pour ça, et c'est parfois mieux pour se rendre heureux et ne pas rendre d'autres personnes malheureuses. Bien sûr, faut idéaliser tout ça, en fait. Exactement. Vous avez mal choisi l'adversaire. Toronto. Lina, tu es chanteuse. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bien que tu es une habituée de légendes urbaines, tu étais venue nous présenter ton album Femme Forte. Tu es chanteuse, autrice. Tu as sorti un album le 9 février qui se nomme Mon âme, second volet prévu pour le 24 mai. Et tu as choisi de mettre en avant une artiste d'origine algérienne, non, qui n'est pas d'origine, qui est algérienne, avec qui tu as fait un featuring, Jamais Yen Sak. Elle s'appelle Nou Media, les Zouls, et tu as choisi le titre Bébé. Et puis c'est une femme qui est très complète en plus. Elle est journaliste, animatrice, elle fait plein de trucs. Parle-nous de ton choix. Bah écoute, moi c'est une personne qui m'inspire énormément. Donc ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît avec Nou Media et qu'on s'est vu pour la première fois lors de la création du morceau. Mm-hmm. Donc on s'est échangé à travers les réseaux, on a tissé des liens à travers les réseaux sociaux, tu vois. Et pour le coup, ben il lui arrivait pas mal de péripéties dans sa vie à cette femme. Et elle est inspirante. Pourquoi ? Parce que c'est des choses que je ne sais pas si j'aurais eu le courage de supporter ce qu'elle a vécu, tu vois. Parce qu'elle est très suivie médiatiquement. Mm-hmm. Et c'était vraiment très, très compliqué. Mais au-delà de ça, même sur tous les terrains sur lesquels elle joue, donc que ce soit animatrice, actrice, influenceuse, artiste, elle est complète. Et c'est tout simplement une personne, malgré toutes les personnes qui l'entourent, elle a une équipe au top, elle envoie un bon message et elle est terre à terre. Mmh. Et elle reste humaine, tu vois. Et ça, ça fait plaisir parce qu'il n'y a plus beaucoup d'humanité dans le monde, tout simplement. Tu vois. Et donc, tu avais envie de la mettre à l'honneur. Eh bien, on l'écoute, on regarde. Nou Media, les Zouls, avec le titre Bébé d'amour. C'est ça mon problème.
Aline Montcornet, Tali Santé, Fanny, Sarah. Je suis à toi pour toute ma vie. Je t'ai donné mon corps tout entier. Annule en arrière le boko et à moi si. Et la dit couronne pour l'éternité. Palataya, Olo, je suis occupé. Je suis marié à Alain Baratouda. De regarder son nez, chéri, c'est ça mon problème. De regarder son nez sortir, c'est ça mon souci. Alain Baratouda. Yves Kambala. Mais on réchoue, réclame ta voix. Un bon matin, Mato Imana bouché. N'a que la prière, pasteur à l'obi. Que n'a que tant que au cosomate au salaire rituel traditionnel, au lobana c'est qui suit. Sous les maillots et sa lumière, soleil de mon cœur, aux alliés sa firma qui vaut, y'a pimada, à la parapoda. Chantal Kizaza, Zolo Nana, et Bélicinisite, dans mon figo, Bakissi ma provision, et comico c'est que relais pas maté, qui s'y coûte les qui provision la quantité. Ma comico c'est confiné, ma welesika, ma ordonnance, on dirait biroi d'un bombolé. Et c'est un comme l'Iba, qui si c'est mon co, ma fait un sotona yoro, matin, midi, soir, à la parapouda. Prince de Djibouti, Patrick Bologna, 8ème merveille. Euro dans l'ombre, Riva Menga. Oyo Kanengena Kolela, Alain Barakuda. Terminator, le grand Canadien. Lodé Maemba, Anderson Aimé. Alino Kizaza, le président de tout le beau garçon. La perle rare, Nadine Jeunet. Tu préfères la souffrir. Corbière est comique cautionné n'a pas pensé n'a pas. Zonelanga Alain Barakuda, reviens à moi chérie, n'a causé. Otikana n'a moko isolé. Mawa, tata missionnaire, des services, laissez-te kuna bambana. Mamana Cornélie, Madame Bernadette Limi, Tonton Mapassa, Yadjo, Kilo Bravo, Nicole Batafé, Francis Kalombo Solution. De regarder son nez, tu chéris, c'est ça mon problème. De regarder son nez.
Media les zones, mon bébé d'amour. C'est super joli, c'est hyper agréable, c'est esthétique, et simple à la fois, tu vois, j'aime beaucoup, franchement. Et c'est une rockstar en fait, vraiment, visiblement, en Algérie, elle est extrêmement connue, quoi. Ah ouais, ouais, énormément. Mm-hmm. Et tout simplement, pour résumer, on va dire, pour vous traduire un petit peu ce qu'elle raconte, c'est l'histoire en fait d'un amour qui finit impossible parce que du coup il va d'une façon clandestine en Europe pour avoir une meilleure vie, tu vois. Et elle n'est pas certaine en fait de cette suite-là, mais qui sont très attachés et qu'elle lui dédie en fait cette chanson-là, tu vois. Magnifique. C'est voilà. Mais on sent un côté très sentimental et en même temps très plein d'émotions. Elle a énormément d'émotions dans sa voix. J'ai même eu l'occasion de l'écouter. Que ce soit en anglais, en français, elle gère. Mais elle a vraiment quelque chose dans la voix qui partage plein de d'ondes différentes, que ce soit genre en mode joyeuse ou triste, sentimentale. Franchement, c'est fort. On finit par le bébé de l'équipe qui était venu nous voir pour faire une chronique sur Seth Gecko à l'époque. Mathias, alias Matka. Tu es rappeur, mais t'écris, tu nous avais fait une super chronique, t'as 17 ans. Tu es auteur, tu es saxophoniste aussi. Et tu t'es fait connaître il n'y a pas très longtemps grâce à un titre qui se nomme Lila. T'as fait plus d'un million et demi de vues sur YouTube. Sur les réseaux TikTok, Instagram. Ouais, voilà. France Télévisions et l'UNESCO t'ont appelé pour composer un morceau sur le thème de la paix qui a été joué lors de la cérémonie d'ouverture du concours de la jeunesse au service de la paix, édition 2023. C'est ça. Et tu as choisi Aloïs Sauvage, Cropped. Parle-nous quand même rapidement, mais rapidement, parce que vraiment leur tour, là, on doit. De ton titre Lila. Parce qu'il est. Tu l'as fait, t'avais 16 ans. J'ai commencé à écrire à 14 ans. À 14 ans. Et je l'ai fini. Le titre, voilà. Il est sorti à 16 ans. Très jeune. Parle-nous de ce sujet, parce que c'est surprenant. Pour un gamin, pardon, mais pour un gamin de 15 ans qui est dans le rap, en 2024, c'est pas les sujets auxquels on s'attend. Ce titre, je l'ai écrit à partir du témoignage d'une de mes amies qui avait été victime d'inceste à 14 ans. Donc c'est quelque chose qui est très violent. Et j'ai commencé à l'écrire, puis après je l'ai laissé en stand-by. Et l'année dernière, je l'ai fini. Il est sorti en juillet dernier. En juin dernier. Et en fait, c'est un titre qui... C'est-à-dire qu'en fait, il y a la différence entre ce qu'on sait et les faits. Je savais que l'inceste existait, je savais que les viols existaient, je savais qu'il y avait des femmes battues. Mais quand le titre est sorti, j'ai reçu là, depuis là, juin dernier, je reçois des milliers de témoignages, j'ai reçu des milliers de témoignages, on va pas se mentir, quand même majoritairement de femmes, que ce soit d'inceste, de viol. Et en fait, on se rend compte de l'ampleur qu'ont ces fléaux aujourd'hui et du manque de solutions pour les personnes qui sont victimes de ça. Et Aloïs Sauvage, c'est intéressant parce qu'en fait, je l'ai découvert récemment. En faisant une petite recherche pour venir ici, j'ai envoyé un petit message à une dame que je respecte beaucoup, qui s'appelle Andréa Bescon, vous connaissez peut-être, qui se bat pour le coup, elle, toute l'année, c'est pour les femmes et contre tous ces fléaux. Je lui ai envoyé un message en lui demandant si elle connaissait une artiste qui avait fait un titre là-dessus. Elle m'a conseillé Aloïs Sauvage avec son titre Crop Top. Et je trouvais ce titre très intéressant parce que là, je trouve que, alors déjà, elle est très complète. Elle a été chanteuse, circassienne, comédienne. Donc, elle est très, très complète. Et je trouve que l'ambiance du son contraste avec la gravité du propos. C'est un son assez ambiançant et tout. Et ça contraste avec ce qu'elle dit dedans. Et je trouve ça super intéressant de prendre ce sujet-là un peu à l'envers et de faire passer des messages comme ça, avec ce canal-là de diffusion, en fait. Aloïs Sauvage, Croc Top, le choix de Monsieur Matka. Pour comprendre,
bandeke ba fanzo likolo baza kolela na mongongo ya rama wayeye lefesoso kombo yo bazolela ya Cesare Nkuka ndenge ngai nalelaka ye na motema na nga Gael Ngeso to Saulia na mesala na nga kolelaka Cesare Nkuka mbotika ngai nalela Cesare Nkuka ngaye avant nazala kolela bayeba kufa moto naza kolela lelo azala na bomoi kombo nde Mona Poto, Chris Mavimba, Moto Pamba, Giscard Lubamba, Levi Makani. Kukwane loyon zimina wa, na matonge pe maloba ya bazuza barabara o, César Kuka. Solange Kamara, Junior Mupila. Kukwane loyon zimina wa, na matonge pe maloba ya bazuza barabara o, César. Sarah Ndenge, Yannick Ndenge. Balobi, 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 Mwe komisa ngayi prisonnière yalao Na kokate Nala zala ki motu e singole lala Komi prisonnière Yenda kolanga Nelwe pongwe miso do homna gomo Mamo tian Sofia mote maya Celeste bongi le pharmacien Siza mpuka yoyo abominga Yehe Kayi katolete mpuko Premier remarque au salaki ngayi Apa premier baiser yo lo baki César mon oko na ngezo luma solo ya mabele o linga kyolo ba mo mona na meza na ba pourquoi yo zo comprendre te benaza na besoin ya affection tendresse fenamba ki ronde la mona moninga na lingi yo César moninga na César kukae mangi sambo oye bieti kotika kingai lo kola mapata maide La peta mio ya e récupérer la yonga e no quitter na koya kokola e a côté toi e ces ankuka e Lewis Mangasa Oui mais quand même ça na na yo et ça toi la kokata e ça toi e na la kokara ngaite o et donia kare Molinga sa bongulu te Ambassadeur et tout mouta ces ankuka e Yokanenge Karine Fatia le Lio Ezali solo Egypte atena ban Israel na Ce qui n'a mis qu'il dit si ça n'est pas naïe Nalinga yo mousuni pe ma qui la paix ni kouaï Lelo na yemena d'ago li solo ya molingo e Ouais Et bon maman na mote me vima kase na monoko e Yokanenge gigi fala le Lio Zandenga kobelela na mbongo ya nyawe Nenge nyawe lilaka na sharme nyoso César, César Kuka Motema, Karine Tone na basusi wo Mama, ala zongi salangaye A zongi se sengo na motema likodante A zongi se sengo ya marei kamae A zongi se sengo ya Chantal Makaya A zongi se sengo ya Yaya Gimbalae Azongi se sengwe ya Marvel Makaya Bebe exauce Wilimba papa na cheve Prisonniere Wapi yo Arrafe motema Ya mama rite Prisonniere Ya bolingo Abiyar de luxe Gay Mamadou Je préfère la divina salade
sapone motema ya kilele balobinaza ya bolingwa kupa je préfère motibinaza misionnaire ya bolingo tise la sconi. Kana de base kunji keve kanga wapi momo bijou platini batili boss marocain le plus célèbre sadak ouais un apontant roloma bonza akoli puissance chama chico serge koko motema ya mamo ani yvonne à 36 Dounia Mayua, Romaric na Paris. Bob, Bukelo na Toronto. Ah, le sauvage, croque top, le choix de Madcap. Tu voulais rebondir sur quelques chiffres. Voilà, parce qu'en fait, ce titre-là, bon, il évoque aussi les violences. Et aujourd'hui, la réalité, elle est là. Et la réalité, elle dérange. C'est que depuis le début de l'année 2024, il y a eu 28 féminicides à l'heure où on enregistre cette émission. C'est-à-dire en moyenne 2024. C'est-à-dire en moyenne une femme qui meurt tous les deux jours sous les coups de... d'un homme, souvent majoritairement conjoint ou ex-conjoint, et c'est quand même, je trouve, quelque chose qu'il faut évoquer. Bien sûr. C'est très dérangeant, il faut l'évoquer. Et malheureusement, il y a un peu un manque de solutions. Alors bon, malheureusement pour elles, elles sont plus là, mais il y en a aussi plein qui vivent ça actuellement, et il y a plein de voix muettes qui tendent hurler, mais que personne n'écoute. Et je pense que qu'il faut clairement les aider. Il y a des associations, il y a des solutions, mais notamment la Fondation des Femmes, que vous pouvez appeler en France, vous pouvez appeler aussi le 3919. Je sais que c'est dans le monde entier, mais en France, il y a ça. Donc, il y en a, mais c'est quand même assez restreint. Et c'est clairement un fléau. Qu'est-ce qui te touche autant? C'est ça. Alors ça, c'est important, parce que justement, on dit que c'est un combat collégial, effectivement. Mais rares sont les jeunes hommes de ton âge à être aussi touché et investi. Quel a été ton déclic? Ton ami, l'ami que tu as connu, qui a vécu ce drame de l'inceste, qu'est-ce qui t'a sensibilisé sur ce combat? Tes parents, peut-être, qui t'ont aussi sensibilisé? Je dirais que, déjà, il y avait cette histoire-là, du coup, avec mon ami qui a été victime d'inceste. Et lorsque le morceau est sorti, en fait, je me suis rendu compte de l'ampleur que ça avait, tout ça. Et c'est sûrement là que je me suis dit clairement qu'il fallait agir. Je savais qu'avant, il fallait agir et j'essayais d'ailleurs d'écouter et de pouvoir, parce que ça passe aussi par l'écoute. Bien sûr. C'est important. Mais lorsque ce titre est sorti, il y a un peu comme tout. En fait, mettre des chiffres sur quelque chose, c'est très bien. Ça permet de prendre conscience. Mais c'est malheureusement aussi un peu déshumanisé. C'est-à-dire qu'il y a des humains, des femmes derrière tous ces chiffres qui meurent, on le voit clairement tous les deux jours en France aujourd'hui, et c'est terrible. Donc, je pense que quand le titre est sorti, j'ai rencontré aussi Andréa Bescon, qui est une femme très forte, qui m'a aussi sensibilisé à ce niveau-là, et qui m'a appris beaucoup de choses aussi sur toutes ces causes-là, parce que c'est les causes qui sont très sensibles, et le titre, le grand enjeu de ce titre, c'est de faire un titre qui puisse toucher les victimes sans les ramener dans leur statut, c'est ça. Mais c'était un peu, voilà, c'était le but, c'est de garder quand même une forme de pudeur pour pouvoir les aider à travers des mots. Et visiblement, je suis content parce que ça a marché. Et aujourd'hui, L'enfant a 17 ans. Mais c'est important. Et vous qui me regardez, qui avez 40 ans, ça calme ou pas? On a un degré de maturité. Vous étiez comme ça à 17 ans? Bah, je sais pas si on était comme ça, mais on était quand même sensible à plein de choses, vu qu'on vivait le racisme, le sexisme. Non, mais est-ce que vous l'exprimiez de cette façon? Moi, je suis toujours assez impressionnée par... Je sais pas, mais c'est important. Son courage. Faut des alliés. Tu es vraiment fort, en fait. Et ça, c'est rare d'avoir des personnes qui pensent aux autres.
ça, c'est pas l'âge même, l'âge c'est qu'un chiffre, mais avoir cette maturité et puis ce en fait ce grain de d'humanisme en fait. Et vraiment j'espère que ta voix sera entendue. Merci, ça fait super plaisir. Bah c'est vrai que l'humanité se perd. Bah justement t'évoquais un peu l'humanité tout à l'heure avec avec le son que t'as choisi, et c'est très important de garder, tu vois, cette part d'humanité là. Et d'ailleurs c'est tout ce qu'on est en fait. C'est tout ce qu'on est en fait. Tu vois, c'est ça, à la base ça part de là, c'est tout exactement. Ce qu'on est. C'est ça. Tu vois, faut aider son prochain, parce que quand tu te retrouves dans la merde, t'aimerais bien qu'il y ait une main qui se tente de quelque part, ça, tu vois, pour en sortir. C'est ça. Donc c'est que positif, tu vois. C'est, il y a que du bénéf en faisant bien ça, sûr, tu vois. Bien sûr. Ah oui, non, mais c'est ça, pouvoir écouter, pouvoir aider. Et en fait, juste, je sais pas si on se rend compte, parce que du coup, c'est quand même assez musical, hein. Le pouvoir de la musique, bien pouvoir sûr. Mettre des le mots de sur une situation, le pouvoir de l'art en général, à quel point ça peut aider des vies, et ça peut même en sauver. C'est-à-dire que j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « je vais me suicider dans 2 jours ». En fait, c'est d'une violence inouïe, mais pouvoir les renvoyer vers parfois les bonnes personnes, vers les personnes qui vont les aider, et que la personne te renvoie un message 2 jours après en disant finalement « ça va et je suis là ». C'est aussi grâce à ta chanson, c'est juste, ça vaut tout l'or du monde, et ça vaut tous les haters de je sais pas quel réseau social qu'on s'en fiche complètement, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça. La musique, ça sert à ça en partie. C'est vrai. Mais voilà. Mais en tout cas, merci pour tous ces beaux artistes que vous nous avez fait découvrir aujourd'hui. C'est trop cool. Et merci trop fortes. À toi, Madcap. L'équipe, vous connaissez le rituel dans Légendes Urbaines. C'est de passer un message universel. Si possible, en rapport avec notre sujet sur ce coup-là, aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde. Moi, je dirais faites-vous, comme on dit. Ça veut dire soyez qui vous voulez être. Et surtout aussi, ouais, il faut continuer de lutter. Parce que peu importe quel moyen on utilise, mais en vrai, on n'a pas le choix. Voilà, il faut lutter. C'est vrai. C'est universel, ça. De croire en soi, croyez en vous, allez au bout de vos rêves, n'écoutez pas les personnes qui essayeront de vous démotiver sur vos lancers, sur vos chemins. Et puis surtout, ben, vive la femme, hein, franchement. Désolé, hein, les gars, hein, on est ensemble, hein, tu vois, mais. Il faut dire la vérité. T'as vu, voilà, faut savoir dire les termes des on fois. On nous appelle le sexe faible, mais quand on voit, on se dit que bon. Ah ouais, on gère beaucoup de choses, tu vois, bon. Que. Non, sérieusement, franchement, c'est voilà, faut continuer de lutter aussi, parce que il y a certains problèmes qu'on ne pourra pas résoudre comme ça, même avec un tweet, comme tu le dis, tu vois. Mais voilà, la vie, c'est un combat quotidien, faut pas lâcher, et peut-être qu'un jour ça changera, on espère en tout cas. Yélim, on va dire aux femmes qu'elles méritent d'être respectées, elles méritent de briller. Et c'est pas tout le temps facile, mais après, faut prendre sur soi, et faut savoir que on est de belles personnes. On mérite beaucoup de belles choses, et ça va changer un jour. Mais le changement commence par soi-même. Exactement. Yes. Madcap. J'ai quand même envie de passer un message en rapport avec ce que j'ai dit juste avant. C'est que si vous nous écoutez actuellement, si vous nous regardez actuellement et que vous avez été victime de quelque chose ou que vous êtes victime, peu importe où vous êtes dans le monde, il y aura toujours des gens qui sont là pour vous écouter. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes coupable de rien. Il y a souvent une culpabilité inversée. Et on vous croit, bien sûr qu'on vous croit. On vous croit, et il y a souvent cette culpabilité inversée qui revient. Vous n'êtes coupable de rien, c'est important de le dire. Vous vous en sortirez. Courage. Et voilà. Merci l'équipe, merci. Merci Juliette. Madcap, merci. Merci Yélim, merci Dolores, merci Lina. La famille, c'est toujours un plaisir, vraiment, de vous recevoir. Vous êtes ici, chez vous, la famille. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que voilà, ça vous a donné de la force, de l'inspiration. Nous sommes toutes et tous responsables d'un monde meilleur. Et c'est important de prendre cette part. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission, au cours de laquelle nous sommes racontés plein de choses assez formidables, dois-je dire. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love Dolores, one love Lina. One love Yélim, one love Madcap. One love Juliette. One love Juliette. One love Juliette. Some. Let's go. Yeah. On peut applaudir. Hey. Ambassadeur qui j'apprends. Jean Bénis, le vautour là. J'y mets le Coran.
cabinet pour l'inspecteur.
Bob, Okelo na Toronto. Téléma bougé. Public ne laissez pas. Voici Péli Nangoumi. Feedback, non, bah message Nango et tout. Encourageant. Oui, vraiment. Pour Nancy Péli Mingi, en fait, pour. Tant on a Monica par réaction Nango, parce que Moni artiste à Salaga. Donc, inspiration, mon goyer au sali, mais oui, bah jamais ce qui est public par au sibel en ango, tout est et bah arrêté. Tant que mon abat, donc tant on a sala qui nous aime ouana, oui, n'a mon sibel en ango, mais tant on a comprendre que pas tout va sibel en ango mingi, et puis c'est un peu et c'est un makasi. Ouais, le titre est bébé, ça fait combien de temps? Et sali, bon, je pense. Un mois. Un mois déjà. Mais il faut que je porte une chose genre bah, showcase, ma prestation. Oui, oui. Oui, oui. Mais na minito, na zananu, oui, na ebike baloba, donc bien sûr, que peut-être va showcase, peut-être parmi y a ba stratégie, y a promotion, tout ça. Puis que Mikolo, il a temps, il a époque, il y a épisode, il y a comme ça la promotion pour la télé m'a bougé. Naza vraiment très occupé avec ça, na petit nan va showcase terre. Mais. Non, on peut être là, car la minute. Oh, ils ont intéressé ou quoi? Parce que dans les gens, le public, ils ont sépé là, les gens, ils ont eu ça là. Ceci n'est pas bon, ils ont que vivre en haut, ils ont en fait un bas chaud. Ils ont bon. Ou ça, non, ils ont assuré, ou non, sur le public, non, t'es pour chat. Non, sur tes poils. En fait, 2023, on a petit mink. Mais avec une mingi na scène et puis na promettre qui va faire que il va la pika bon ok parce que mon ami mingi c'est quoi c'est que le oh vu que na haute coupe donc et le coup na zo sale ils a na zo lancé épée na nga comme na nga ils a Solina ils a na deux titres tellement bougé. Il y en a combien de titres? Deux seulement. Oui, pour nous qui attend 5 t'as déjà épée. Bon, on a un projet mon sous, mais vu que n'importe qui n'a pas ça, il y a des chansons moko boé, et puis ça comme moi est single, tout ça n'engage na changu côté moko pour na koste peli sa ba fan, donc nazo ça na ligne na nous ba fan vraiment ba consommer tellement bougé et ou kana kitoko, tu bim sa mi à mort et puis après na ozong la scène. Mais tozong aran ba titre ba. Il y a un bouquin qui est bien. Tu as un titre là. On parle peut-être de l'amour. On parle peut-être, je ne sais pas quoi, de Roméo et Juliette. Ou tu as un titre là. En fait, je suis un moment où je suis un peu plus. Ah, c'est gentil ça. Oui, en fait, je suis changé. Surtout na 2024 nazo préparé pe maxi single nanga wana eza okay. Donc wana EP na maxi single EP deux chansons et, maxi oui, single eza na 6 chansons 6 OK ouais. Donc wana bokoyoka ba couleurs différentes ba thématiques différentes na sala pe déjà nte mo papa ya bana eza bolingo mais ata bolingo fi kubina mwanda mbuti yo linga shokara mais ça t'influence pas genre malgré que nous avons un combo musicien au sol, mais ok, nous avons un featuring et tout. Ils ont intéressé ou t'es? Ils ont intéressé, nous avons un problème. Ce qui, oui, nous avons un management, mais nous avons un ouvert pour un featuring. Mais bon, il y a un qui nous ouvert d'autres artistes, c'était une façon de. Ils ont bon côté. Ils ont bon côté. Ton côté la caca. Avec le temps, quand même, on doit éviter. Mais pourquoi les gens qui nous ont mis là? Bon, on peut bimi, on peut bimi. Artiste, Nino Yokipe, en 2023. Pour 2024, tu sais, déjà à deux mois, pendant 2023. Album Nino Yoki, ton Zembo Nino Yoki. Non, qui est belé. Non, qui est belé. Il va les couper, ça va nous battre parce que bimista, nous y a goyo kabaningat. Nous disco yo moro. Nous sommes bonini koto talipé aimo zongi lope. Tu fan de qui peut remuer lope na mutu, remuer mbao. T'es en fait, n'est vraiment mais, ben exacte que na yiga rumba ou bien ka style, ben n'est vraiment na yoka kanyoso. Kasi na nyoso anati. Oui. Na nyoso na o nini yo zui chance à goyoka. La canisa nano. Comme il y a un ami qui a mis Aminata. Mais il y a un ami qui a mis Kala.
Il y a parfois. Aminata, Aminata, show me the way. Mais parce que tu vas avoir 12 ans. Ils ont 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 12 ans. Major Jojo Muya, leader d'opinion Frankie Kamunga, Bongo Petit Nanga Moko Boye, Coco Coxon, Bango Bako Sagabanzazi, Kabazaba Play, Babet en Internet, Palmarès Nabango Neya, Sikoyo Boyoka, composition ya gouvernement Jet Set, ya Papa Wemba, Jimé Malenga, le premier. Soso, Alain Lito, Luke Bubangi, Messel Dolce Gabbana, Yako Lukusa, Petit Mekusto, Peter Kokopi, Spajari Tempo, le beau parisien, Clam Franchi, Richard Kiangata, le fleuve Kiangte, Joseph Congolois, Mibeko, la loi. Jean-Baptiste Nguindoué, Bouyouki Ambou, un parlementaire, Logan, Céline Koyi, Mimi Itonga, Kofi Aina, J.R. Moussengo, Tony Twenye, Issa Chapar, Aimé Louvouezou. Demandez
Comportement de ton patron. C'était une décision personnelle à toi-même de partir ou bien on t'a renvoyé. Peut-être place cause à la moi trop au batbaye barati. Bon, moi je suis le bamingi, le manga wenge, et ça ni balé. Et ça qui va le mot langa mon personne en moi. Ah, ma boca a commencé en premier. C'est un expliqué aussi. Bah le mot langa n'a pas, au moins, mon tout. On a aidé. Ah, ok. On a aidé. Après, on a tout quitté. Album B et Bimi. Après, deux mois, album B, deux, trois mois. On a fait un concert. Il y a un mariage. D'où les bêtes à ma changement à chanson, hein? Chanson ici, ce de Kitty, compétente au coca qui était. Ce n'est pas la même, n'a pas la même topique. Non. Photo Kende, place, fête, place, ma sanga. Les gens, moi, les bandes, au temps pour le temps, moi,
10-15 mètres au bimana porte hein au c'est rafraîchi ou pas mon qui ce benin de coquité n'a pas mal n'a pas la main de gagner non photo qui est né donc n'a mis tout mais dans le monde pour ce coup d'avoir ma sangaté et plus on a pour ça pour la soulagement dans la vie vous comprenez pas que se retrouver une zéro moana ou bâtir tu dois imbattre toi un assez pour ça qu'à produire mon gros sur le vent d'ici là mais qui t'a pas mon hein on sait tout nous sommes des moteurs hein on m'a dit comme des moteurs imbattre ton marché n'a plus saut toi qu'à ta 4 ou 5 personnes mais si les bandes là en tout cas tu sentis un peu de rafraîchissement ton méli mon pépé non et ça les bisous bien nous sommes tous en arabe pas de Vandi, Sikoyo, il faut démoigner si de tout, et tout ce qu'il dit. On va enchaîner deuxième chanson. Donc, deuxième chanson, on va enchaîner qui est Singapour qui est. Bisous, tu es en bas, on va te dire, oh, il faut pas s'en apporter, tu es en bas. On va taper pour Lyon. Et avec toute première fois, on a eu un peu de temps. Oh, j'ai dit que je suis un peu. Mais deuxième drummer, c'est quelqu'un, comme il a dit, drummer titulaire. Il a été en train de chanter bandit. 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 Mon amène à moi, il y a un peu de temps. C'est bien. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu Prêt à l'obi, Bobo Kita. Kita, on va juste la main. Kiti Bits, ton Vandi. On va en Vandiana. On va continuer, mais ce va Matisse. On va continuer. Vandiana, on va sauter. Non, on va rien. Né dans l'album nanga bana main nanga maison mère dans la coste ba japonais ba seleu ba ya ba edanga ezonga linga na mutu na venga na lomwe mufuma moni na lomwe ta place wana né na fanda ki na déjà ba la main ti ba mi ba ba teki bigwa sa lomwe na lomwe ki déjà na bia oui si kana na lomwe donc ni ku ba la main mawa o tu ba kite ba mo ba kite ba on se pon nanga ba ba innocent. Je pensais qu'il y avait quelque chose. Donc le gars, si. Il habitait le Kwango. Si. Le gars, soi-disant, il habitait le Kwango. Tout le monde, il habitait le Kwango. Mais c'est plus facile. Il habitait le Kwango. J'ai pas à peine mon détachement, mais aussi mes plans. Mais il s'est retrouvé sur quoi
jour wana petit nana tamora za qui tenait petit sur le soit dit ndai no machin wana c'est quoi t'as lui ni lo on y a ni a ro sala moi intérim wana petit nana sikoyo et mekanda na pc mbote a et mekanda na Manchester pc c'est comme bilo ronaye hein asimbele motan asimbele va plan ça me si gagne été ça sala moi pemene na problème wana et tant aussi go bisou que nay li banda ko mena mai on se comprend petit nana sikoyo les petits parents qui disent la maman rara bosanaki que wana simewa petit bibou à mon excès moins de salamana ya faux abika c'est au temps on a longo de côté ce qu'on a car petit nana les places à fongoli la longo déjà colère déjà la longo vous m'en avez souscrit le roman qui ne sikoyo petit ce qu'on a bandé le bas vieux le but du temps on m'oublie ma qui wana le monde est blanc moins salamiste bien président c'est quand même yo comme on se comprend, les petits gars qui ont été en train de se faire, ils sont déjà prêts, ils sont déjà dansés, ils sont déjà dans la cible. Ils sont déjà dans le mouvement. Ils sont déjà dans le palais. 100 mètres. Autant la lettre était de l'autre côté, quand on a été en train de bon. T'es là tout. Bon, la lettre était pour le mouvement, on est à l'autre temps. Il y a un mouvement, il y a un mouvement. On se comprend, on a moins loisir, moins à la rana. On se comprend. Oh, là, c'est maman solo. Néo attend bizarre mouvement né yo monana buya komana la lettre za te bongala bana bana koma lettre koma lona dinga na côté la qui dans contrat verbal quand tu kenda dinga na kenda wana gaga pa ta na kenda lungwe yegi koni na fête wana concert fête yegi samedi bon c'est que tu vas à chaque dimanche na gombia na rap ba moi déjà sentiment na ba ba gala ba moni ngati. Bon, on fait dimanche, on devait acheter dimanche, ma morning a été. Bah, mon pas lundi, c'est quoi? N'a pas pourquoi? Bah, 18-19, le monde, moi, même, on a tout cas, je suis mon premier. La PC est motée. Que le salut. Ma morning, ma moko, aïe, la copine est mon gros. Bah, on attend la combien de temps. Cause ma copine est mon gros. Ah, Bikou, on est le dimanche. Bah, tout le monde, ma femme, t'es ma nini. À sentir, gars, maintenant qui est. N'a pas de problème. Je ne sais pas. 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 Je ne émission de musique qui m'a bandara mardi et pas moutonangaï nati locolé na radio. On se comprend. On a dit ah, on a calculé déjà de te rater déjà dimanche, invité du dimanche, non? Caribou blanc, machin, on te rate déjà. Donc, déjà, boyé Mirador, y a nati locolé et les caca mardi na tongo na c'est 10h-11h. Nim tabana maman musique. Tous les mardi la tongo, tu dis déjà que monsieur Banassou va dire 9h30, 9h40, mon goût. Bam! Mais là, il a bien un nati. Voilà, mon n'a pas un palin. Malgré la nègre, entre parenthèses, malgré la nègre, une mission, mon boy, n'a pas ça, il y a là, l'indan trompé là. La tinette, il y a un jarazo, Luka Kombo, mais on a un palin, ça le goût de sous frites, n'a pas le souffle, ça la frites pour tout le monde. Mais. Bosse ni comme on a bon tous les garats. Ok. La bengi, la tine des amboués, on a le même mouvement, bani. Oh, oh non non non, bigot c'est quoi le bon? Oh, j'habite. Dès la bonne bengi au poké, y a une salle d'émission musique la semaine, la bosse on a bengi au plus bien on a le mouvement. Oh t'es la bosse, y a une autre bosse on a bien un achat, c'est une sous salle bani mon bon. Ah bah, si on se concerie, pas bani. Quand on a parlé peu, tu tiens regard radio. Toyo quand il se fait bandit, à bandit dans un balamongo. Waah, les gars amboyés, on est sur le mongo, bah. Alors bébé Biko a quitté Wenge BCBG, moi a claqué la porte de BCBG Longchamp. À partir on a dit dans mon bah coup de fil. Et comment quoi? Et comment qu'on met l'engagé, bah mettre le non. Biko ni ni ni, dans mon coup de fil il trouve pas. N'allez dans la fond, la gagne dans la fond. Est-ce qu'on a le mouvement Bajar ou Anna? Est-ce que j'aimerais te poser une question qui me vient de ce jour-là, Til et Lou? Il s'en est passé des années. Bosolo et NHB. Tout ça, bon. Que ce soit oublié chez toi, je pense quand même. Ils appellent le coup, c'est pas la mort, mais. Bosolo là?
bon banana lungwa tilelo eh bosiko dio kamo bani beli onyo sotwana bosiko soto kutanite yo santo ro sonani soto chi santo kutanite yo santo ro sonani ni so yo santo et c'est fort possible que vous avez payé pour benga un jour. Il y a eu des choses qui se sont passées entre temps. Vous avez pas au benga, non? Bon, pourquoi il faut nga na benga? Et pourquoi pas? Oh, bon, pourquoi kaka il faut nga na benga? Mais pourquoi pas? C'est quand tu as la douleur. Si bon, tu es un moment tu as la douleur. Tu faut t'en m'en prendre kenda. Pourquoi nga y yé yé mutuga le rôle nga yé benga tu as nga na benga? Non. Donc pour moi nga na longo mouvement na ko JB nga na aye bigenga na monika na oso yé mutu. Vous comprenez? Vous avez dit que vous avez la musique ensuite après ça, du coup, qu'est-ce que tu t'es décidé à faire? Parce que Nako le banane, tu as appris quand même au Bunga, c'est-à-dire que Bikou le brin, c'était ta décision à toi-même de te dire que je fasse peut-être autre chose et que la musique soit plus une passion qu'un métier à part entière? Non. Tant on a eu sur autant on a longo mouvement à annoncer, tant on va annoncer car comme les gars la radio, la télévision qui pique un longo, malamour la mona petit maman mon gars la parle, plein de ma petit maman le parle, boum. Ah, mon place là qui na quand ils se ma petit on a tout dans ces endroits à tester, la salle de mouvement en gai, 11 days, la salle de mouvement en gai 11 days. Alors, je me suis dit, il y a l'Angleterre. Bongo, l'esprit Angleterre. C'est le mouvement dans la petite langue. La petite langue, il y a un peu de temps pour que je puisse faire ça. Il était 2h du matin, tango sosole la kikokoriko. Bando qui va weli kozongandako, la précipitation. Roger Ombala. Balasima, na kolobana sosole la teo. Tombo etane la bino, baie babi una bino. Salon de coiffure chez Abdoula, Yvonne Ngambomine à restaurant La Princesse, Blaise Mayamat, complexe scolaire, William Petit, c'est Kangalita Mamoko, Eric Balthazar, Fernand Okoni, Blondinga Tsui. Balasima, na kolobana so soile la teo, tombo etane la bino, baie babi una bino, pepero, Octavo Saketo. Let's go.
Clarisse. Brice Moyamba. Je te dis allons dormir et ta maman bouge qui est haut. Les filets de Saint-Eux. Si me dis ta maman t'a dit de ne jamais dormir et dehors. Et je n'ai est-ce que c'est le mot de ta dit de manger les marigots des gens. Et fais kilo. Yo, Ibova. On y va. Simba nakana, Simba yo bongo to Simba na hey. Au kilo maya. Tous les coups sont permis. Pour que l'on a Toronto.